Et on se retrouve pour un nouvel épisode de Land of Lore from of Chaos. Et regardez, justement, nous avons quitté justement cet endroit avec des manivelles. Je rappelle d'ailleurs que nous avons récupéré 2 ingrédients sur 4 pour bien évidemment la recette du Darak qui nous permettra de sauver le roi Richard. Nous sommes allés à la mine de Obiche pour récupérer justement la clé de Paulson. Et donc, nous voici devant 2 manivelles. A priori, on ne sait pas trop à quoi elles servent. On peut bien sûr les manipuler. Rien de bien transcendant, on peut bien sûr appuyer dessus. Ouais. Ah, il y a un levier ici aussi. Si j'appuie dessus, ça se passe comment? Ah, il y a un ennemi qui est apparu, a priori. Et il y a un trou aussi qui est apparu. Si je réappuie... Bah rien, si je réappuie dessus... Ah, donc en fait, ça fait du respawn d'ennemis, j'ai l'impression. Bon, bah écoute. A priori, il va falloir descendre. Hein. Bon, allez, c'est parti. Bon, bah on va dormir. Ah, il y a un deuxième trou ici. Ah, un autre levier. Ah bah tiens, descends encore. Comment dire, pour pas tomber plus bas, et bien évidemment. Hein. Ah, il y a une clé ici présente, une clé d'argent. Bon bah, qu'est-ce qu'il y a de plus ici? Ah, il y a un téléporteur. À mon avis, le téléporteur sert à revenir un petit peu tout en haut. On va utiliser la clé d'argent. Attends, continue. Ah, je vais changer d'arme parce que ce sont des ennemis qui ne marchent pas au niveau des armes tranchantes. Ils servent... Ah, j'aurais dû peut-être prendre la masse videur que j'avais laissé de côté. Et malheureusement, ouais, parce que là, avec les armes que j'ai, ça va être compliqué. Ah, bah si, on s'en va. Ah, mais la balette Valkyrie, malheureusement, ne marche pas beaucoup face à ces fameuses bestioles. On fait pas grand-chose, hein, malheureusement. La pioche qui nous servira à récupérer une sorte d'objet, mais... Ah, c'est dommage, j'aurais peut-être dû récupérer la masse videur. Bon, on va prendre du gel, je pense qu'ils sont pas trop immunisés au gel. Voilà, allez, dodo. Ah, je sais pas si je reviens. Oh, attention! Attention, parce que eux, par contre, ils sont hyper relous. Je vais les chercher justement, je vais vous les présenter parce que si jamais on les voit apparaître. Ça peut très mal se terminer pour nous. Ce sont des espèces de vers, je sais pas comment on les appelle, des vers vivants. Et ces choses-là, en fait, sont pas dangereux par leur force, mais dangereux par leur nombre. Et je peux vous garantir qu'ils peuvent vraiment devenir très très vite indigestes si jamais ils apparaissent trop souvent. Donc on va aller directement les dégommer. En fait, il faut qu'on trouve leur nid et qu'on les dégomme. Ah, je me souviens de ces trucs parce que en fait, j'étais tombé dans un des trous, je crois. Et ce qui s'était passé, enfin, c'était un trou. Et ce qui s'était passé, c'est qu'ils étaient quasiment à 5 ou 6. Et là, je m'étais retrouvé dans une situation très difficile. Et là, dans la panique, malheureusement, je n'arrive plus à retrouver mon chemin. Il faut que je me calme. Parce que là, c'est une partie que je n'aime pas. C'est bien évidemment des monstres. Comme j'ai dit, hein, ils sont pas dangereux. Malheureusement, avec le nombre qu'ils sont, ils peuvent vraiment vous faire très très mal. Et bien évidemment, c'est souvent le nombre qui fait la différence. Voilà, donc ça c'est les nids, on va tout de suite les dégommer pour éviter de causer quelques petits soucis. Voilà, maintenant, on est comme qui dirait un peu plus tranquille. Ah, il y a un petit message. Piscata Rosea, 445. Piscata Rosea, 445. Si vous avez compris. Il y a autre chose ici, c'est quoi ça? Warren. Ah oui, c'est vrai, ça parlait des bah, ça parlait des rochers maudits, bah justement, on en a fait la connaissance. Une petite discussion de la part de Bakata, regardez. It smells like burnt flesh. Ça sent la chair roulée. Yuck. Allez, maintenant. C'était bien d'ailleurs à l'époque quand il y avait les versions anglaises, françaises. Je sais pas qui c'est qui a eu la bonne idée justement d'enlever la version anglaise. Franchement, moi ça me dérange pas du tout, au contraire. Je trouve que ça apporte une authenticité au jeu. Après, il y en a qui disent que c'est une VO, etc. Mais quand tu vois Tomb Raider, j'ai été assez critique d'Alice David. J'ai rien contre elle, mais franchement, j'aimais pas du tout sa voix. J'aime pas du tout ce bruit. Il va y avoir d'autres nids, malheureusement. Oh, j'ai entendu un bruit, ça m'a fait bloquer d'un coup. Ça va continuer. Ah, ça c'est un... Ça fait... Et en plus ils envoient des armes de jet. Je vais attendre quand même. Ah, ils peuvent pas se placer. Ah, ils sont plusieurs là, ils sont quasiment deux. Ah, je vais remettre... Ah oui, j'ai pas changé d'arme. Bah, on va prendre la pioche. Et je vais prendre le marteau. Bon,
je vais garder la main religieuse parce qu'il peut prendre deux armes. De toute façon, ça me... Hop. Allez, je vais utiliser le gel. C'est parti. Ah, ça marche pas grand chose, malheureusement. Je vais utiliser le deuxième gel, justement, pour essayer de trouver une solution. Voilà, parfait. Il va falloir un peu jongler au niveau des armes. Malheureusement, ça va être un peu le bordel. A strange socket of some sort. Un symbole qui doit utiliser une clé avec deux manivelles. Bon, d'accord. Qu'il y a là-bas. Ah, il y a un coffre. Donc on va aller prendre Bakatu. Bakata. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça c'est le joyau d'or. Donc ça doit être servir certainement pour le truc là-bas. Une flasque vide, ça va servir bien sûr peut-être pour les récipients. Et rien d'autre. Bon, ok. Allez, on va le prendre, on va le mettre directement, ne perdons pas de temps. Parce qu'il est, il est là. The gem fits. Ah, c'est bien ce que je pensais. Et bah, nous avons également deux manivelles. Je sais pas à quoi elles servent ces manivelles. Parce que je pense... The cart seems stuck. Pour l'instant, ça a l'air coincé. On va retourner les œufs. Yahoo! Ça m'avait manqué ce bruit là. Donc en fait, ouais, pour vous expliquer, en fait, si vous voulez, vous avez la manivelle ici. Donc vous avez genre deux manivelles. Et en fait, en fonction de la position des manivelles, soit vous allez tourner à gauche, soit vous allez tourner à droite, soit vous allez aller tout droit. Oui, je joue parfois la comédie un petit peu pour vous faire croire que je ne sais pas, mais bien évidemment, comme j'ai déjà fait le jeu. Mais bon, ça fait un peu authenticité, vous voyez, je suis un peu comédien, vous voyez, comédien et tout. Avouez quand même, vous vous dites, ah, comédien, comédien. Bon, revenons au sérieux quand même. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Ah, un deuxième levier. Voilà. Bon. This appears to be recent. Ah, ça va être bien, ça va être bien. Justement, c'est pour un morceau de charbon, ça va nous aider justement pour la... A piece of coal broke off. On appelle ça là, pour la machine tout en haut. A piece of coal broke off. Je commence à manquer de place. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je manque cruellement de place. Bon, va falloir que je jette des trucs alors. Bah tiens, le deuxième jet de clé, ça ne dira rien. A piece of coal broke off. Encore, putain. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? L'arc-scout, je le garde vraiment, bah... L'arc-scout, il me sert à rien, c'est juste pour le vendre plus tard. L'arbalète Valkyrie, je vais la garder. Qu'est-ce que je vais utiliser? Parchemin de Lenin, j'en ai encore besoin. Longuan. Okidoki. Comme dirait Mario. Putain, ça, c'est problématique là, je commence vraiment à manquer de place. C'est le souci vraiment de Land of Lore. C'est quoi ce... Celui-là, je le garde. Celui-là, par contre, les trucs de... Bon, il n'y en a plus, Ok, bon bah on s'en va. Oh, c'est chliqué dessus. It doesn't appear any more coal can be broken off. Ah, bonjour monsieur le charbon. Bon, allez, on va voir. Gel de niveau 3. Bon, avant toute chose, je vais essayer quand même de m'occuper de celui-là. Mais il a du respawn, hein, bien évidemment. C'est le problème de jeu un peu, je trouve ça un peu illogique les respawn. Bon, après, d'un côté... 93, faut pas oublier la date. Ah non, je dois revenir. Attention, accrochez-vous le bruit. Yahoo! Ah, je m'y fais pas ce bruit là. Heureusement que ça va quand même assez vite. Je me souviens d'ailleurs dans mon vieux PC, c'est un BC IBM. Le bruit était tellement lent que ça allait à deux à l'heure. Donc maintenant, on va passer à droite ou à gauche. Allez, à gauche. Non, à droite, Non, à gauche. Allez, allez à gauche. Yahoo! Je sais plus s'il y avait des sons à l'époque dans la disquette. Ah bah j'ai pris j'ai pris à droite. Bon bah finalement. Où est-ce que je suis là? J'aurais pu... Ah, il y a une clé. A worn lock. Bah j'ai pas la... Ah, peut-être que je vais peu utiliser le jeu de clé. Alors Bakatu. Ah si, si je peux utiliser le jeu de clé. Je vais pas y aller tout de suite. Je vais attendre un peu. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh bon, il y a rien. Que c'est? Ah, bonjour! Vous partez déjà? Heureusement, je peux pas utiliser mes armes. Mes armes sont un peu... Je vais aller chercher la masse videur un peu pour la donner à Bakatu aussi. Pour juste
forcément avoir un peu plus de facilité. Quand je remonterai tout en haut, je devais la laisser je sais plus où d'ailleurs. Oh attends, merde. Oh, désolé, bien gros mot. Oh zut, j'avais oublié ce détail là moi. Bon bah écoute. D'un côté ça avait fait monter de magie. Je te rappelle que Bakata est monté de magie. Eh oui, bon il monte plus de magie maintenant. Quel difficile ce Bakatou. Ah c'est embêtant ça. Oh non. Bon bah tant pis. C'est pas grave. On va continuer, tant pis. Ah ma lanterne commence un peu à perdre de son effet. Justement en plus je cherche des moyens pour me. J'ai que deux lanternes. Ah bah quand même. Bon, je vais avoir... ça va être séparé. Eh c'est quoi ce bruit? Est-ce que c'est là? Ah la porte s'est réouverte. Bon, bonne nouvelle. Ah c'est bien ça, ça me rassure un peu. Allez, on va mettre un peu de lanterne. Avec bien sûr Green. Green lanterne. Oui je sais, je sors. Oui je sais, ma blague était mal placée. Je sais, j'ai voulu. Ah bah voilà, j'ai appuyé. Ah il y a un téléporteur. Je le prends, je le prends pas. Je le prends, je le. Allez, soyons fous. Oh là là, ça me paraît. Ouais mais. Bon bah j'aurais pas dû reculer je crois. Bon bah. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Une serrure. Et à mon avis, quand il y a deux serrures, ça m'étonnerait qu'on puisse aller ouvrir cette porte. C'est marrant comme il est. Oula, c'est quoi ça? C'est pas bzu bzu. Bon bzu, j'ai pas vu. Bon bah pas vu pas pris hein, comme on dit. Hein. C'est mon épée, elles sont là. On va changer. Je sens qu'on va avoir du comité d'accueil. Je sais pas vous, mais je le sens. Vous savez, moi j'ai un pif pour ça. Ah, l'arbalète. Je pense l'arbalète, je pourrais même la vendre d'ailleurs. D'ailleurs, je crois que quand je vais requitter la mine d'Urbèche, je sais pas. C'est quoi ça? Oh, j'aime pas ce truc. Pourquoi il y a des. Oh, bah j'avais oublié. Je vais me faire tuer bêtement. Bon, bah on va dormir. J'avais oublié que c'était le retour. Bon bah continuez hein. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a comme endroit ici? Alors... Ah! Oh bah tiens, je croyais que vous étiez Vini. Bon bah... Ah, écoute, hein. C'est tout? Ah, vous êtes vachement résistant d'un seul coup là. Bon bah écoute hein. Ils sont résistants par rapport aux autres. Bon bah on va remettre les pioches et les marteaux hein. Tant pis. Allez, on tape. Allez, on tape. Tapez. Mais s'il vous plaît. Oh, 4 du rayon Conrad. On va se dire qu'on pense, mais quand même. Encore un petit croix. Ah, quand même. Ah, voilà, c'est justement ce que j'avais besoin du sang de pierre. Ça me permettra justement d'un. Ah, voilà, troisième ingrédient de la recette. Il est où juste... Ah, voilà, c'était là. Oui. Bah écoute, hein, c'est le bordel dans mon inventaire. Je crois qu'il y a plus de place. Ah si, il y en a une. Ah génial, je suis content. Je sais pas s'il en faut combien. J'ai pas été précisé dans la recette. Parce que s'il y en a qu'un, ça m'arrange. On va doudou quand même. Ah je suis content. Je suis content parce que... Justement, on avait vraiment besoin de ces choses-là. Ah oui, d'ailleurs, je vais revenir à mes manivelles, moi. Ah, moi, je me suis dit, là, avec la capture, elle va durer un peu pas trop longtemps. Et là, j'ai ça. Qu'est-ce que... Oh, bah ça recommence. Ah, c'est wow. C'est quoi, putain? C'est quoi, pop-up? Ah. Ah, il faut que je tape dessus. D'accord. C'est parti. Tout haut. Encore un petit coup. Allez. Bon, on va revenir au manivelle, moi, parce que... Ça... Arrête. Arrête. T'es méchant. Si je fais ça... ça ça fait. Oh putain, t'as 4. Oh, j'ai rien compris. Il y a 4 manivelles. Et... Oh, oh putain, les énigmes. Oh, bonjour. Bah écoute. C'est des ceux de là-haut. Hein. Sauf qu'ils sont un peu les. Ils sont un peu reliés de la société, quoi. Oh, bah je magnifique, 132. Quelqu'un a compris qu'est-ce que ça fait. En plus, c'est chiant ça. Oh, merde. Je me rends compte que j'arrête pas de dire des gros mots en ce moment. C'est pas bon, faut pas que j'arrête.
Parce que quand je commence à dire des gros mots, c'est pas bon. Oh, on va pas essayer celui-là. There is no way to pick this lock. Bon, faut que je trouve une solution alors. Il y a un téléporteur ici. Je sais pas quoi il sert moi. Mais c'est quoi? Merde. Wow. Il va y avoir tout YouTube qui va faire insulte. D'un côté ils auraient pas tort parce que franchement j'en ai aligné 4 gros mots d'un seul coup. Ah c'est pas vrai. Ah mais ça c'est naturel, bien au galop hein. C'est pas possible. Piste 4. C'est quoi ça? To Jared, head engineer. I think we have located the missing part for the water pump. If I can retrieve it, we can regain control of the mine. Nous reprendrons le contrôle de notre mine. Ah, l'engrenage. D'accord. Ouais, mais j'ai plus de place, mon ami. Qu'est-ce que je vais laisser? Je vais laisser. Oui, je sais, je chante. Parchemin, j'en ai besoin. La baguette. Oh, la baguette, on va la laisser. Mais pas chier, moi, de toute façon. Poor shot. Pauvre ivrogne. T'en fais au bac à tout. Bon, j'ai tout ça. Je crois que je vais remonter. Je vais remonter parce que j'ai pas mal de choses à récupérer. Il y a deux endroits ici. En plus, je crois que je dois être le bas du bas. Ça va être dur ce truc là, ça va. Déjà que je le supporte pas à la base, alors. Ah, c'est cet endroit là aussi. Je vais aller chercher. Oh bah dis donc, hein, tombe pas sur moi, il fallait mourir. Bah écoute, pas de problème. Oui, si, oui. Dans les jeux rôles aussi, il y a ce qu'on appelle des scripts. Oh, ils sont chiants eux. En plus, les gènes marchent pas très bien face à eux, c'est ça qui est embêtant. Bah, écoute, hein. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Tiens, c'est clair. Bon, ça fait ridicule, je sais, mais j'ai pas trouvé autre chose. Tiens, est-ce que la foot ça marche? Ouais, bon, bah, faut le dire vite fait. Allez, boule de fond! Allez! Ouais, bon, on va arrêter de faire l'idiot, je crois. Parce que là, je suis en train de me faire tuer. Je vais mettre le marteau à Conrad. Parce que là, je suis en train de me faire tuer bêtement en faisant l'idiot là. 4. Oh là là là. C'est pas possible. Avec le gel qui marche, on voit. Et encore, marcher, c'est pas un euphémisme. Enfin, un euphémisme, c'est un. Vous avez compris quoi, c'est un truc entre l'inverse de l'euphémisme. Last, I don't have enough magic. Vas-y. Voilà. Tiens, envoie des pieds. Que la pierre pour lui fait un peu plus mal. Allez. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Allez les enfants. S'il vous plaît. Soyez sympa. Oh là 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 là. Ça va pas être sympa. Je suis à 12 points de vie. Bah tiens, je dois avoir des ongles dans mes parages. Justement, je me demandais à quoi j'allais m'en servir. Des ongles curieux qui donnent 20 points de vie. Ah, quand même. Ah, du sang de pierre encore. Bon, allez, est-ce que je prends, toutes mes pierres? Bon, la pierre polie, je la reprends. Parce qu'elle est polie. Elle dit bonjour. Oui, je sais, mes blagues sont nulles. Je suis bien d'accord avec vous. Mais bon, ah. Vous avez jamais fait des blagues qui faisaient des moments où vous disiez pourquoi j'ai sorti cette blague? Et bah, moi, c'est pareil. Moi, c'est tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a là? Wow! Get out! You are in great danger! Flee while you still can! D'accord. Let him rest in peace. Ah! Une clé rouillée! Let him rest in peace. Rest in peace. Bah écoute, j'ai pas mal fait une moisson intéressante. J'ai eu récupéré une clé rouillée, alors je vais essayer de voir justement si ça peut se servir ici. Pas finalement. Hein. Alors où est-ce que je suis là? C'est chiant ce truc. Et ça sert à quoi les manivelles? Oh. Pas plus avancé. Ah voilà, c'est bon. Est-ce que ça soit c'est sur ça? It doesn't fit. Ça ne rentre pas, donc ça veut dire que ça serait peut-être l'autre là-bas. Donc quand je vais la prendre, je vais la mettre quand même parce que le problème c'est que je commence à manquer cruellement de place. Et une clé rouillée, ça prend de la place. C'est pas vous le dire. Oh, c'est chiant ce système de wow, j'ai jamais aimé. J'ai jamais compris à quoi ça servait. Vous allez voir, il y a un moment donné où je vais
j'ai bien ragé, c'est un endroit précis. Ah bah oui, c'est vrai, j'avais oublié cet endroit. Feels quite hot to the touch. Joli. Oui, voilà, tout le temps. That seemed to work. Bon, il manque but une something clé. More is needed, I believe. Bon, a priori, j'ai pas peur. Ça va, pas de problème. Bon, bah écoutez. A priori, je crois que je vais remonter. Hein, parce que je crois que j'ai pas besoin de passer. Mais à quoi servent ces manivelles? Il se passe rien, là. Je t'appuie dessus, ça marche pas. En fait, je suis très en fait. Voilà, bah écoute, on va prendre le téléporteur. Je suis où là? Ah, je suis repassé ici. Bon, bah d'accord. Ah bah tiens, oui, c'est vrai, il y a le côté gauche encore. Bah, je vais prendre le côté gauche. Oh, ce bruit est stressant. Stressant. Bah écoute, on va se dépêcher. Hein. Yahoo! Comrade. Ah, la vidéo va être un peu plus longue que prévu. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez. On va prendre le côté droit, allez. Enfin, le côté gauche. Yahoo! Enfin, le côté, quoi. Allez, après, ça sera fini. Et on pourra se dire qu'on aura fait un bon chemin. Bah finalement, bah ce sera plus vite que prévu. Yahoo! Bon bah j'ai pas mal bourlingué, mais le problème c'est que j'ai... Voilà, bah, écoute. Ces bruits me stressent au plus haut point. Ah oui c'est vrai, il y a le mur secret ici. Oh, l'endroit est quand même valide ça, regardez. Moi qui pensais que ça allait être réellement petit. On va monter en haut. Hein. Oui je sais, c'est un pléonasme je crois. Enfin bon, évidemment quand on monte en haut. Ah bah c'est magnifique, on est atterri justement là où je devais aller. Bon alors, on va aller voir le charbon. C'est où déjà? Ah moi les sens d'orientation hein. Ah il est évident que j'aurais pas fait GPS hein. J'aurais pas été, je réincarnerais jamais en GPS. Ou alors GPS forcément ça serait une belle arnaque. Ça fait penser d'ailleurs que je garde la baguette créante mais je sais même pas à quoi elle sert. Ah d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je récupère la masse videur. Où est-ce que j'avais laissé trouver la masse videur? Je crois que c'était vers le coffre. Le coffre qui était là justement. Et comme quoi vous voyez ça, il faut laisser. Ah oui c'est vrai. Ouvre ça, ça. Non non, attention. En fait pour information, pour ceux qui veulent jouer aux anciens jeux, n'hésitez pas à aller à prendre Scooms, hein. C'est ce que j'utilise d'ailleurs pour Land of Lore. Et franchement c'est... Vous pouvez capturer déjà. Alors je sais pas comment on fait pour les autres. J'ai pas réussi à capturer là. Hors que Fraps. Parce qu'en fait j'utilise pas Fraps pour les raisons simples. C'est que les capacités, t'as 1 giga pour 3 secondes. Urbish Mining Company. Et donc je trouve le concept vachement sympa. Surtout que regardez, franchement tu prends pour 600 émo pour ça. Warning, wear your helmet. Voilà, donc franchement vous pouvez largement vous faire plaisir. Et puis en plus si vous aimez les oldies ou des choses comme ça, sans déconner, vous pouvez vraiment avoir des jeux. Alors après, je conseille que je donne pour ceux qui font des oldies. Ne faites pas des oldies à des jeux que vous connaissez pas. Il y en a parfois, ils disent, ouais, bah écoute, on va prendre un exemple bête. Tu prends un jeu comme par exemple les vieux jeux que t'as fait de 90 juste parce que tu t'es dit, ça peut être un concept, ça peut être un vieux jeu qui était populaire à l'époque. Attention si vous le connaissez pas, parce que voilà, en deux fois, moi je le connais, donc forcément c'est facile. Prenez toujours un jeu qui vous plaît. Vous voyez, là, par exemple, juste avant, j'ai pris Batman Arkham Asylum. Si j'avais pris un Call of Duty, franchement, je me serais fait chier. Parce que j'aime pas Call of Duty, je voulais tout de suite. Moi, je suis anti-Call of. This call should fuel it. Il y avait des jeux à l'époque, comme Return of Einstein. This call should fuel it. Tais-toi, Corrad, je suis en train de parler. Comme, par exemple, il y avait quoi? This call should Il y avait également Return of Einstein, il y avait Duke Nukem. Il y avait vraiment des jeux qui donnaient vraiment plaisir à jouer à un FPS. Pour moi, Call of Duty, ça ne me donne pas de plaisir. C'est un FPS pour moi. It fits perfectly. Voilà, maintenant. Wow, it sure makes a lot of noise. Voilà, donc, et d'ailleurs pour un petit anecdote, regardez, si vous appuyez, cliquez là. Ouch, it's spinning too fast. Voilà, vous pouvez cliquer dessus, voilà. Bon allez, on va revenir en dessous nous. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert, je vais vous le montrer. On va revenir aux fameuses manivelles de tout à l'heure, parce que, bien évidemment, il y avait un deuxième passage. Eh oui, vous ne le saviez pas, mais moi je le savais. Allez, hop, on descend. Ah, nos amis les Lumi-mois. Qui... Alors, on va venir ici. Bonjour.
Je commence à manquer au niveau de la lanterne. Heureusement qu'elle n'est pas verte. Oui, je sais, j'ai refait ma blague, mais j'aime bien mes blagues. Soyez